Bonjour. Ma France à emporter is a takeaway version of ma France, an aide-mémoire for conversational French. Today, names and how to spell them. This comes in four parts. ABC ou TGV. You and your languages. How's that spelled? And spelling practice. ABC for you, ABC pour moi. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Some abbreviations have become better known than the names that they stand for. Do you recognize these? Maintenant, vous allez jouer avec moi. Mm-hmm. D'accord? Je vais vous montrer des lettres et vous devinez ce que les lettres veulent dire. D'accord? Non. Alors, T, G, V, ça veut dire quoi? Tu sais, toi? Moi, je sais. Moi, je sais. Moi, je sais. Vas-y, Lucas. C'est un train qui est très rapide. Oui, en France. Ça veut dire quoi? Très grande vitesse. Train grande vitesse. Hey, super! Train à grande vitesse. Vous êtes prêts? Oui! Oui, oui, oui. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? BD. C'est pour qui? C'est pour maman. Sylvie. Ça veut dire bande dessinée. Ah oui. T'es d'accord, Oko? Oui. Ouais. Vous êtes prêts pour un autre? Oui. Attention. C'est à qui? Ça veut dire quoi? O-L. Ah, c'est pour Lucas. O-L. Olympique Lyonnais. Quoi? Olympique Lyonnais. T'es sûr? Ouais. Lucas. Oui. Eh, pas mal. The last one is a bit local. O-L, Olympique Lyonnais, are Lyon's football team, of course. The one thing you will need to be able to spell in French is your name. Mine is Stéphane. S-T-E, accent aigu, P-H-A-N-E. Pause and try yours. Je m'appelle. My name is. Je vous présente. Let me introduce you to. And je parle couramment. I speak fluently. Et un petit peu de. And a little bit of. Sylvie is a language teacher. Which three languages does she speak well? La famille Béraud a quitté l'Écosse pour venir vivre en France, ici à Lyon. Aujourd'hui, il joue au jeu des sept familles. Est-ce que le grand-père, le 5, Sylvie, dans la famille qui lance tout, est-ce que tu as le 3, le père? Oui. Alors Sylvie, vous pouvez me présenter votre famille? Oui, ben, je vais commencer par moi. Je suis la mère, je m'appelle Sylvie. Et vous parlez combien de langues? Je parle 3 langues assez bien, enfin très bien même. Ben, le français, c'est ma langue natale. L'anglais, je parle couramment. L'italien, je le parle très bien. Et puis un petit peu d'espagnol et un petit peu d'allemand. Did you hear which languages Sylvie speaks well? They were l'anglais, le français et l'italien. English, French and Italian. Ça s'écrit comment? Literally, you have to ask, that is written how. Ça s'écrit comment? How's that spelled? One of the Barrow boys is called Rocco. How's that spelled? On continue? Oui. Alors, je vous présente mon mari, Lloyd. Bonjour. Alors, Lloyd, ça s'écrit comment? L-L-O-Y-D.
Et vous venez d'où, Lloyd? Moi, je viens d'Aberdeen, en Écosse. Alors, je vous présente mon fils, le plus grand. Lucas. Alors, Lucas, ça s'écrit comment? L-U-2-C-A. Et là, maintenant, je vous présente mon fils le plus petit, Rocco. Rocco. Alors, ça s'écrit comment? R-O-C-C-O. T'es sûr? Oui. Listen out for the French word for squirrel. I bet you can't pronounce it. On va jouer autre chose, hein? On va jouer au pendu, d'accord? Ouais. Ouais. Okay. Sylvie est professeure de langue et aime jouer avec les mots. Ici, un mot en 8 lettres. Devinez, consonne ou voyelle? Une lettre. Quelqu'un propose une lettre? Un R. Oui. Oui. I. Oui. Écureuil. Oui, c'est ça. Oh, super. Bravo. Super. Six lettres. U. Non. Et une autre voyelle. I. Oui. O, s'il vous plaît. Oui. Oui, copain. Ouais. Oui, super. Bravo. Ah, on n'était pas pendus. L'écureuil. L'écureuil. And the equivalent is as difficult for me in English. The squirrel. Well, that's it for now. À la prochaine. Don't forget, there's plenty more in our series of Ma France downloads. So make sure to subscribe to them all. And if you want more French or a taster of many other languages, make sure to log on to bbc.co.uk/languages. This video podcast is part of a BBC trial and would like to know what you think. We're carrying out some viewer research, and if you'd like to take part, send an email to videopodcast@bbc.co.uk stating your name and which video podcast you've seen, and we'll be in touch.